C'est les plantes qui stressent, bien sûr, mais c'est aussi nous, quoi. Et ça, je pense. Au service des différentes formes d'agriculture depuis un petit moment. La deuxième dimension sur laquelle on pourrait travailler, c'est la question tabou. Tout ça pour dire qu'on a quand même des perspectives, notamment des actions collectives, avec... Il ne pourra pas y avoir de solution si on n'arrive pas à un partage de l'eau. Donc je me trouve avec énormément de données climatologiques. Ils peuvent avoir leurs décisions sur justement la qualité de l'eau, la gestion de l'eau. La ressource en eau douce disponible. Non, vous avez eu le pourcentage tout à l'heure des eaux humides. À chacun d'être entendu pour pouvoir justement construire ensemble.